Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo FM avec la suite de ma carrière avec le FC Nantes. Comme vous le savez, on sort d'une énorme saison hein, puisqu'on est devenu champion de France pour la première fois et en plus devant le PSG. Donc ça fait toujours plaisir. Et qui dit champion de France dit forcément Ligue des Champions. Et en plus de ça, on sera dans le chapeau 1 puisque tous les champions en titre hein, des championnats majeurs sont dans le chapeau 1. Donc ça peut-être me permettre d'avoir un groupe jouable. En tout cas, on l'espère. Il va falloir un petit peu de chance au tirage. Alors en ce qui concerne le mercato d'été, Kita a fait la pince hein, comme très souvent malheureusement, donc on n'a pas eu beaucoup d'oseille. Du coup, il n'y a pas eu énormément de changements au niveau de l'effectif. On a quand même vendu un joueur et c'est pas n'importe qui puisque c'est Xadin, hein, c'était un petit peu la mascotte de cette équipe. Il est parti du côté de Pachuca, très gros club bien évidemment qu'on connaît tous. Et puis au niveau des arrivées, hein, j'ai dû essayer de gratter quelques joueurs, donc on a pris des joueurs en fin de contrat, on a pris Caramo. Du côté de l'Inter, on a pris Zinchenko, donc ça c'est cool du côté de City. C'est un bon joueur en plus polyvalent, Joe Hart. En second goal, parce qu'il nous fallait un gardien remplaçant. En plus, il me demande un tout petit salaire, donc c'est cool. On a pris aussi Fosu Mensa en prêt. Donc voilà, il peut jouer DC, il peut jouer aussi latéral droit. Donc ça peut me servir. Golovin pour 6,5 millions. Donc ça, je pense, très très belle affaire. Ça va me permettre un peu de faire souffler Lo Celso. Et puis voilà, on va voir. Hein, peut-être qu'il prendra même sa place en tant que titulaire. Et puis Malcolm en prêt, bien évidemment. Un joueur qu'on aime beaucoup. Hein, chaque fois qu'on peut le prendre en prêt, bon, on n'hésite pas. Donc ça, c'est tous les champions. Maintenant, les deuxièmes, c'est quoi le chapeau 2? Ouah, chapeau 2, il y a Barcelone, Tottenham, Naples, Paris. Je peux pas tomber Paris, du coup. Atlético, Milan, Valence. Ah, faut que je tombe Schalke. Ouais. Ça aurait pu être pire, mais bon, c'est Naples, quoi. C'est censé être au-dessus de moi, quand même. On va avoir une belle poule. Oh là 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 là, je peux pas tomber Marseille, donc c'est soit Shakhtar, Benfica, Leipzig, Inter ou Sporting. Ce sera le Shakhtar. Mais il doit avoir une bête d'équipe, parce qu'ils ont toujours des joueurs cheatés. Leipzig, Benfica. OM, il tombe avec Tottenham et Real. Inter, Paris, Bayern. Oh là 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 là. Dynamo, Krasnodar. La Gantoise. J'ai un groupe qui est pas simple mais qui est jouable. Si on passe les poules, c'est magnifique, mais ça va être chaud. T'es deuxième, moi je dis franchement, deuxième, je signe. Alors moi si j'arrive en huitième, c'est beau. En 4 ans, j'amène Nantes en huitième d'LDC. Je joue Shakhtar à l'extérieur pour commencer, après la Gantoise et après deux fois Napoli. Et deux fois extérieur PSG Napoli et après Monaco. Oh là là, il y a OM2. Oh non mais. Oh les gars, ça va être un calvaire. Ce serait bien de pas perdre, mais ils m'ont fait une équipe, elle est tellement chelou, ça va être trop bizarre. Ouais. Allez, 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 pourtant de bien commencer là, pas de défaite, mais ça va être dur. Shakhtar, ils ont toujours été casse-couilles à jouer dans FM, ouf, bien joué. Allez, à la retombée, oh là là, Malcolm. Bim. Oh, mais oui, Léo qui a suivi, il y a hors-jeu. Putain. Allez, Lo Celso, t'as pas de gauche là. Bien joué. Franchement, Léo, t'abuses. Y'a but! Il est horrible, mais on s'en fout, il s'est troué à Rola. Mais oui, merci. Malcolm, il a mis une tête. Faut tenir. Là, ce serait tellement important. Non. Non. Faute, faute, faute. Oh la chatte. Allez, allez, Jovelvic, c'est pour toi, gamin. Gros penalty. Le VAR là, putain, il y avait péno. Vous êtes d'accord ou pas? Il y a 100 fois péno. Voilà, elle est importante celle-là. Hein, parce que derrière, je sais pas. Non, on joue pas Naples. Derrière, je crois, on joue la Gantoise. Si on bat la Gantoise et que Naples bat le Shakhtar, en plus, ça va être à Naples. Bah, il y aura deux équipes à 6 points et 2 à 0. Donc, c'est pas trop mal. Après, par contre, je joue deux fois Naples de suite. Faut battre la Gantoise. Ah, en plus, on touche des thunes. 2,7 millions pour avoir gagné un match d'LDC, j'avoue. Je pensais pas que c'était autant. Oh là 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 là. Je vais tester mon Jovelvic. Je vais faire quelques changements, quelques trucs. Je vais tenter. Je vais mettre Zinchenko. T'as Zagadou, bon, il est blessé, donc pas la peine. Je vais mettre Touza. Péno. Et là, il y a Péno. Quoique, entrée ou de surface ou Péno. Là, franchement, je sais pas trop quoi penser. Je dirais Péno. Putain. 2-0, Napoli. Ça me va. Faut qu'il tape tout le monde. Comme ça, au pire, j'aurai la première place avec eux. C'est nickel. Allez. Mais oui, Zinchenko, quelle passe de Firpo. Voilà, Renato. Et passe D de Firpo encore. Bien joué. Allez, Jovelvic, la première. Non. Mais non. Jovelvic. Eh, son but, il est dégueulasse. Tu sentais la tête, il est pas en confiance. Il a mis une tête éclatée après, il a eu de la chance. Mais voilà, il a débloqué le côté. Regardez maintenant, inarrêtable. Regardez Jovelvic.
Vous allez voir le crack regardé, changement de jeu, tout. C'est parti, le doublé. On l'arrête plus. 35 tirs à 3. C'est Markovic? Oh, je crois que c'était Jovelvic. Bon, moins 4-1, ça peut être bien aussi pour le goal à virage, on sait jamais, on sait jamais. J'ai toujours eu celle-là. Putain, par contre, on prend trop de buts. Du coup, bah, si j'arrive à prendre 3 points contre Naples sur l'un des deux matchs, ça serait top. T'as, il y a Rodri et tout, ouais. Ils ont Télès, Matip, Enders, ouais, ils ont une équipe, elle est incroyable. Wow, le Barça, ils ont pris 3-1 contre Manu. Real, ils ont Coman, ils ont gagné à Tottenham. Marseille, Young Boy, Paris, les clubs français, ils déroulent. Bon, City, ok. Je crois que je vais reconduire plus ou moins la même team. Ouais, ils ont Milic. Bah, toujours. Verdi, ils ont Asensio. Alan Zenit, ils ont Rodri aussi au milieu. Ouais, Matip, Andersen. Ils ont une équipe de ouf, je trouve. Je trouve qu'ils ont une belle équipe, elle est équilibrée et tout. Si je commence en prudent, si je vois ça part mal, parce que j'ai l'impression contre les grosses équipes, faut pas spécialement que je joue en prudent. À chaque fois, je me fais dégommer, j'ai l'impression. Je vais vite passer en équilibré. Je crois qu'on est vraiment pas fait pour jouer en prudent. Faut pas qu'on en prenne un là. Allez, faut au minimum équilibré, j'ai l'impression. Oh, on n'est pas dégueu, hein. À Paris, on n'a pas été dégueu. Là, à Naples, on se fait pas tuer. Allez, Malcolm. Allez, allez, Léao, gamin. Quelle passe-d de Malcolm. Mais là, si on gagne à Naples, on assure quasi déjà la qualif. Après 3 matchs, et en plus de ça, on peut jouer la première place, quoi. C'est beau. Oh là là. Putain, c'est incroyable. Et en plus, on retouche 2,7 millions. Il y a eu quoi, l'autre match? Un petit match nul. Un partout. Suffit de demander, les gars. Ouais, là, je suis qualifié. 9 points, bah j'ai 8 points d'avance. Donc en vrai, il me faut juste un nul contre Naples et on est royal. Ah, je gagne ce match, je suis premier de poule. Rongier. Allez, Léao. Ouh, la reprise d'Iconé, dommage. Bam, Rongier. Non, il rate des tirs. Oh bien, ouais. Non, Tonali, t'as pas le droit. Oh, la passe de mal comme l'action, elle était propre. Allez, au moins le nul, qu'on se prenne pas un vieux but. Mais bon, il y a moyen de le gagner aussi ce match. Mais bon, si on prend 4 points contre Naples, c'est déjà bien. Shakhtar, la Gantoise, il y a 2-2, donc... Péno, péno. Allez, gamin. Mais oui, Léo. Premier de poule. Aïe, 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 aïe. Quelle équipe. Bon, allez, Shakhtar. On va essayer de prendre 2,7 millions. Je me dis, quand j'étais jeune, j'étais pas une piche, moi. Oh, faux sous. Tu peux vendre, mais tu peux pas recruter, donc c'est la merde. Non, il n'y a pas péno, là. Si? Moi j'aime bien le VAR. Hein. Non, Jovelvic, il est pas en confiance du tout, il est au fond du trou. C'est pas possible, il est au fond, je vais faire une réunion de crise avec lui parce que c'est pas possible. Il veut pas siffler l'autre, hein. Je veux mes 2,7 millions. Voilà. Bon bah 5 matchs, 5 victoires. Je sais que mon niveau de jeu n'a pas été suffisant, je vais redoubler. Bah ouais, mais tu me l'avais déjà dit mon poteau. Y'a que moi qui crois en lui, c'est dur. La Gantoise a perdu 4 des 5 derniers matchs, ah ouais. Malcolm, j'ai en prêt. Ou merde. Aïe, 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 j'ai besoin d'oseille. Pfff. Ouh, ouh, ouh. Franchement, je veux voir le ralenti. La lucidité du Jovelvic pour remettre en retrait à Renato. Renato, le décalage. Ah, j'aurais bien aimé faire le sans faute quand même. Le 6 matchs et victoire, là, ça aurait été propre. Voilà, tutu. Suffit de demander. Vous voyez, on l'a prolongé, c'est pareil, lui. Bon, après, ça arrive à tous les grands attaquants. Un jour sans, ça arrive, même au meilleur. Ouah, c'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que t'as fait, Rajkovic? Il a la pêche, le mec. Il a fait quoi? Mais non, ça va niquer. Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Renato. 2,7 millions. T'es pas Kita. Regarde, Kita, il a le sourire. 2,7 millions pour Nantes. Là, tu m'étonnes, il a le sourire. On est premier, il lâche pas une thune. Alors, tête de série, il y a Atletico, moi, Inter, City... Barcelone, Porto, Liverpool, Real. Ouais, tu faisais deuxième, t'étais très mal, quoi qu'il arrive. Donc, les gars, c'est une chance sur trois pour moi. C'est United, Milan ou Sporting. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant, les gars. C'est maintenant. Non. Ah, je suis mort. Je vous l'avais dit, hein. C'était sûr, il y a eu Milan, mais deux clubs de cœur, putain, bon, au moins il y en aura un en quart, mais c'est relou. Alors pendant le mercato d'été, ça n'avait pas trop bougé, mercato d'hiver, ça a beaucoup plus bougé, puisqu'on a vendu Martin Terrier à Leeds, 13 millions, enfin un peu plus de 13 millions,
On a aussi vendu un Ikoné 23 millions, donc à la Fiorentina, Marcus Thuram à Watford 15 millions, et puis on a prêté un Jovelvic qui ne m'a pas convaincu dans cette première partie de saison, mais voilà, c'est un joueur qui a un très gros potentiel, donc je préfère le prêter. Donc voilà, on a été obligé de faire un petit peu de place pour faire arriver d'autres joueurs, et du coup, on a fait venir Yanouzaj en prêt. Je l'avais affronté en Europa League, il m'avait fait hyper mal, donc voilà, il a des stats intéressantes, il peut jouer des deux côtés, même un peu dans l'axe, etc. Joueur très polyvalent, très intéressant. On a pris Barco aussi, jeune pépite, ailier gauche naturel, il peut jouer aussi 10, donc voilà, un joueur de ballon qui peut faire pas mal de diff. Donc lui était du côté du Bayer Leverkusen. On a pris Moussa Dembélé pour 8 millions. On continue hein, les bonnes affaires. Donc voilà, on le sait, hein, c'est un des meilleurs attaquants du jeu. Donc j'espère qu'il va faire le boulot chez moi. Et puis en plus, 8 millions, c'est cadeau. Il y a un petit salaire quand même, mais voilà. Franchement, ça valait le coup. Et puis Danilo aussi en prêt. Donc voilà, on mise aussi sur Danilo. Beaucoup de changements pour ce mercato d'hiver en espérant que ça fasse le taf. Lui, il est tombé. On sous-saut. Ouais, ils ont une équipe, ça va être... Ils sont à 5 points de la Juve. Il faut juste que je me fasse pas tuer et qu'on ait un match retour à suspense. Moi, c'est ce que je veux, tu vois. Je vais foutre Aguilla. Hein. Je vais foutre les joueurs qui se connaissent un peu et tout. Malcolm, faut que je le foute à droite. Il est trop fort à droite. C'est relou, là, il n'y a pas de lien, mais à droite, il est trop fort. Tu peux voir, alors, 11 Paqueta, caissier. Putain, ils ont Diaby à droite. Buandu, ils ont Coutronné devant. Ils ont taquet de jeunes. Hein. Ouais, il n'y a pas Romagnoli, par contre, mais ils ont taquet de jeunes. Je vais rester en équilibré, les gars. Je vais même pas me mettre en contrée. Parce que ça me réussit rarement. Ouais, Paqueta caissier, bah ouais, ils sont trop forts là dans le jeu, c'est abusé. Faute. Mais y'a faute. Oh non, pas de perte à la con. Oh là là. Quel retour. C'est Martinez ça. Bien vu. Allez. Putain, la barre. M'en fait que des barres. Putain, dès qu'ils ont la balle, c'est trop relou. Putain, vas-y, caissier, il m'a ouvert. Bah ouais, mais moi, je mets le poteau avant. Sinon, vous avez pas un vieux début de match. Mais à chaque fois, on fait pas des vieux débuts de match et on se fait plier dès qu'on prend le premier. Oh là là. Allez, allez, petite occasion, là, si on marque là, elle est belle. Putain, les A.O. On peut marquer, hein. Putain. What? Mais non, 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 non. Non, là j'ai envie de tout casser, c'est pas possible. Mais non. Ouah, c'est trop. En plus on a l'occasion, l'autre il se trouve, ils sont à deux au ralenti, l'autre Diaby il s'amuse. Ouah, c'est trop, ils abusent là. C'est quoi ces bugs? Ouais, faut arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, les défenseurs là? Quelle blague. Ouais, vas-y, il y a 6 tirs. Ouah, j'ai la mort là. Normalement, ma charnière c'est propre, ils font pas trop de conneries là, c'est abusé ce qui s'est passé. Attends, on se fait manger, mais c'est incroyable. On va s'en prendre 4 encore, ça se voit direct. Ouais, mais Diaby, c'est Messi le mec, et arrêtons aussi. Vas-y, j'arrête, maintenant dès qu'il y a la Coupe d'Europe, je fais forfait. Bah non, mais c'est normal que la rage elle monte, jamais ça doit faire 3-0 là. La première mi-temps, le deuxième but, il nique tout, après tes joueurs ils sont à la rue. Dema Diaby, c'est faut arrêter. Autant en première mi-temps on avait des occasions, en deuxième. En deuxième mi-temps, on n'a rien fait. Dema Diaby, allez Messi. Je sais pas les jouer ces matchs, rien à faire. Nul, nul, nul. Chaque fois on essaye d'améliorer quelque chose, t'es en Ligue des Champions, tu te fais défoncer. C'est tout le temps la même chose. Tu fais des fois des demi-saisons en étant invaincu. Dès que tu joues une vraie équipe en Ligue des Champions, en Europa, tu t'en prends 5 et ça tient pas la route. Par des Diaby, des machins qui sont plus forts que tout le monde. C'est le deuxième but. Le deuxième but, il est là pour tout niquer en fait. C'est ça qui me casse les couilles. C'est qu'encore un 0, bon, c'est encore jouable. Après, t'es obligé de faire des changements parce que t'es déjà mal, etc. Le deuxième but, c'est une blague. C'est les buts comme tu te prends jamais dans l'année, là, comme par hasard, sur un match comme ça, les mecs, ils font des douilles. Franchement, on va tenter, les gars. On va jouer offensif, quand même. Hein. Faut que je marque vite. Allez, allez, allez. Allez. Oh, vas-y, Lo Celso est déjà blessé. Allez, allez, c'est maintenant. Le premier, pro Renato. Oh là là. Oh là là. Non. Non. Dembélé, pas la barre. Il y a péno, non. Oh là là. Stup. Remontée de balle de Renato, elle est exceptionnelle. Comment il rate ça? Oh vas-y Malcolm qui se blesse. Moi aussi j'ai la poisse, j'ai deux blessés, ils ont pas joué le match d'avant. Oh Malcolm c'est trop important. Bon après Zinchenko il peut scorer mais Malcolm c'est Malcolm. Allez Léo. Mais non mais Dembélé, ça fait deux que tu bouffes. Renato blessé aussi. Oh vas-y mais arrêtez, c'est le script, c'est la LDC, c'est pas pour moi. Vas-y laissez-moi tranquille. L'autre j'ai 12 blessés en 20 minutes, arrêtons. Je peux pas marquer. Voilà Dembélé, c'est ça gamin.
sur une passe de Léo. Allez, allez. On est bien là, on met une pression de ouf. Allez, allez. Mais oui, Renato. Les gars, imaginez, il y a le comeback. Mais par contre, j'ai trop de blessés. Mais imaginez, faut pas que j'en prenne un, mais imaginez. Aïe, aïe, aïe. Pas d'angle. Oh là là. De toute façon, ils vont en avoir des occas, on joue offensif, nique. Je peux pas faire tous mes changements au bout de 40 minutes, je suis obligé de continuer là, sérieux, c'est n'importe quoi. Ça me flingue mon match, Malcolm qui était bien, Renato qui marque et tout. Péno, 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 il est dans la surface. Oh vas-y tricheur, oh, vas-y, t'es payé toi. Oh putain, c'était trop beau là s'il y avait péno. Aïe, 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 aïe. Non. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi l'autre il a fait une passe D à Sousso là? Il lui a fait une tête sur prendre des vieux buts. Toi oh, c'est trop. Ce vieux but qu'ils m'ont mis. Oh là là, ouais, il est là. Bah ouais, mais ça c'est parce qu'on a 10 blessés et tout. Putain, on y a cru les gars. Au bout de 30 minutes, il y avait 2-0. On pouvait avoir un penalty quoi. C'est incroyable. Ouais, à fin de mi-temps, tu te prends un but. Retour de mi-temps, tu te prends deux buts. Très bien. Tu les détruis toute la mi-temps. En l'espace de 10 minutes, tu te fais. T'en prends 3, quoi. C'est magnifique. C'est dommage que je pensais vraiment qu'il y avait un coup à jouer, franchement. C'est l'aller. C'est pas normal qu'on se fasse détruire à l'aller, quoi. Parce que j'aurais pas joué comme ça au retour, tu vois. J'aurais joué un peu moins offensif. Et au retour, je pense qu'il y avait moyen de leur mettre au moins deux buts d'écart. Allez. Bon, au moins, on aura gagné le retour, on aura perdu. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi que je perds 3 joueurs directs aussi sur blessure en 20 minutes limite. Ça, c'est un sketch, faut arrêter aussi. Théma, Malcolm, 1 mois. Sanchez, 3 jours. 9,5 millions, je retouche. Et Lo Celso, 2 jours. Manchester, par contre, c'est la meilleure équipe du jeu, les gars. Regardez, ils gagnent 4-0 au Real, faut arrêter. Triplé de Lukaku, Flotov. Alors pour se rassurer un petit peu, j'ai quand même perdu contre le futur vainqueur de la Ligue des Champions, hein, le Milan AC, qui s'est imposé contre Liverpool. Ils aiment bien jouer en finale hein, de Ligue des Champions, ces deux équipes. Donc après prolongation 1-0. Alors en championnat, on a fini à 3 points du PSG. On était tout proche hein, de prendre un deuxième titre consécutif. Donc ça fout un petit peu l'arrache, c'est vraiment une fin de saison frustrante, c'est exactement le mot, puisque la saison dans l'ensemble était plutôt pas mal, mais je crois que pour la première fois, je finis une saison sans titre, puisque aussi en finale de Coupe de France, j'ai pris 3-0 contre Lille, hein. Chaque fois que je joue Lille, de toute façon, il me termine, je sais pas pourquoi, c'est ma bête noire. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, on va continuer un petit peu FM, je sais pas pour combien de temps, peut-être je vais faire une ultime saison, peut-être deux, j'en sais rien du tout, mais voilà, je pense que je vais refaire au moins une saison, parce que je peux pas rester là-dessus. Bon allez, moi je vous dis à très très bientôt, ciao.